pas PG. Oh là là, t'es au max. Tiens, on va faire un gros plan. Faire un clin d'œil. Tu peux pas avec ton Alpine. Eh, regarde Bouffon. Tu vas pas mettre de la musique. Eh, regarde Hélène Tesla, elle a fait A, je le connais. Salut, on se retrouve enfin. La petite intro, c'est la vraie. On est au GP, on vient d'arriver. Il est 10h, j'avais rendez-vous à 9h50-40 pour faire un tour d'Alpine. Et je crois qu'on n'a pas de tour d'Alpine du coup. Donc on va voir si on arrive quand même à avoir un chrono, mais je pense que c'est mort. Oh, t'es la pire cadreuse. Mais putain, mais j'ai mal aux jambes. On va chercher l'entrée et j'espère ne pas avoir raté ce tour d'Alpine. Enfin, si, là je l'ai raté, mais j'espère qu'il y a moyen d'avoir un autre tour d'Alpine. Parce qu'en vrai, ce serait vraiment mon kiff. Donc on se retrouve quand on sera dedans, si on arrive à rentrer. Parce que même nos billets, on les a eus à l'arrache. Voilà, on est un peu des arnaqueurs. A tout à l'heure. Je vais faire un pilote, c'est ok. Il a sorti le premier virage. Hé, hey, ça fait pas ça. Alors là, on a Super Mathieu qui est derrière, qui a réussi à nous avoir un créneau. On va soit faire un tour, soit deux tours d'Alpine. C'est le truc que j'ai raté ce matin. Est-ce que tu conduis ou pas? Non, c'est un pilote. Pourquoi? C'est un pilote qui va nous conduire. Pourquoi? Parce que je suis trop fort. Bah vas-y, c'est bon. Qu'est-ce que tu signes, l'Amica? Je crois que c'est mon décès. C'est un testament. Regardez ça, on va partir dans les petites voitures là. Vous voyez juste derrière. Ça va être incroyable. Oh, j'ai la verte. Wow, elle est incroyable. Oh, c'est tellement bien. Courage pour la suite. Oh, ça va aller. Pas papa. Si j'avais un pilote de rallye, deuxième de la Coupe du Monde. Ouais, il m'a fait kiffer. Il a vu que j'étais en train de kiffer. Il est arrivé dans un virage, il a fait une petite bise, j'ai fait vas-y, il a fait. Il a fait t'es mal rallye. Non, c'était incroyable. C'était incroyable. Tes impressions du coup? Trop lourd. De toute façon, vous l'avez vu, c'était incroyable. Je leur ai fait des plans de fou. En plus, Manu était trop gentil. Oh, t'as la marque du casque. Moi, c'était vraiment un truc que je kiffe depuis petit. Et là, petit rêve réalisé. Vas-y, question piège. Ton pilote de F1 préféré? Je regarde pas la F1. Mais c'est pas une question piège. Vas-y, petite technico, depuis t'es petit. J'aime la vitesse. Mon frère faisait des courses. Il était pas pilote de F1. Il mettait des trucs sur ses vélos pour faire du bruit. Non, il faisait des drifts dans la vie. Pas dire, c'est pas interdit ça. Ne faites pas ça si vous n'êtes pas cascadeur. Je sais pas si on pourra aller voir les autres stands. Moi j'ai pas pu vous filmer parce qu'on n'a pas voir le coin VIP. J'étais avec les copains. On a eu un peu leur ressenti. Le crash de Joyka a fait un peu mal au moral pour certaines troupes. Mais il y en a pas mal qui restent très confiants et qui vont essayer de faire leur meilleur. Donc on va voir qui va gagner et qui va faire des bons temps. En tout cas on se retrouve. Hein.
On va regarder ça tous ensemble. Et puis on verra si je peux vous filmer quelques stands. En vrai, ça va, c'est des petits chocs. L'organisateur Squeezie qui a gratté des places et qui est Squeezie. Tu sais que même pour Lucas, c'était grave bien le drapeau jaune, hein, parce qu'il est chaud en plus. Allez, Lucas, tu peux laisser le plan échouer. Oh, allez. Allez, Vivi. Par contre, c'est quoi, c'est trop bien. Hein. Ah, oui, c'est une dinguerie. Hein. Oui. Là, c'est là-bas, c'est fini. C'est fini. Je filme comme ça parce qu'on n'a pas pris le droit normalement de montrer. Donc j'ai fait un petit zap en pensée. Désolé pour le plan. Et coucou, vous pouvez le voir, j'ai plus de voix, il fait jour, on est le lendemain. J'avoue, j'ai pris la force. Il y a eu un after où en gros on avait buffet. Il y avait champagne, bière, etc. pour ceux qui kiffent l'alcool. Pour les autres, il y avait de l'eau. Moi, je kiffais l'eau. Moi, l'eau, c'est incroyable. Ma voix, je vous jure, c'est pas parce que c'est un after de fou, c'est parce que j'ai pris froid. Il faisait trop froid, sa mère. J'ai plus de voix. J'en peux plus. Mais c'était trop cool. Tout le monde était trop content et tout. Il y a des grosses perfs. Trop content pour tous mes potes. Coco, au final, il avait super peur. Il a fait une perf de fou. Joueur de LAN, c'est un crack. En tout cas, l'event était vraiment insane. Je pense même à regarder, c'était incroyable. Ça a tapé les 1 million, j'ai vu. En même temps, mérité. Hein, on va pas se cacher, l'event était juste ouf. Et j'espère qu'il y aura un deuxième, en vrai. On espère tous, à mon avis. Mais j'espère que vous avez bien aimé aussi, vous, de votre côté. Regardez l'événement comme... regardez cette vidéo. J'ai pas trop pu vous faire du react pendant la course parce que, bah, comme je vous l'ai expliqué, on n'avait pas le droit de filmer normalement à l'intérieur. Donc, j'ai essayé de vous tricher un petit peu en changeant l'angle, même si c'était pas ouf. Donc, vous avez un peu un react de fin. Mais j'essaie de vous filmer au max ce qu'on a fait. Mais en général, j'ai essayé de profiter, de voir les copains. Normalement, j'avais pas le droit de voir mes copains pilotes. Mais on a triché, vous connaissez, nous on a des contacts, t'as vu. Je peux plus parler, j'en peux plus. Et bah, faites-moi vos retours sur ce qui est bon, pas bon, ce que vous avez aimé, pas aimé. On est là pour la critique comme pour l'encouragement. Mais moi, j'ai pris un réel plaisir à le faire. Alors que de base, je suis du tout dans les vlogs. En tout cas, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine. Bye bye, bye.